à cette grande édition du journal Surface Télévision. Mesdames et messieurs, à la une, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seya, a clôturé sa mission à Séoul, au Corée du Sud, satisfaite de la qualité des kits d'enrôlement des électeurs après lancement officiel de la production des kits électoraux devant servir prochainement des textes à grande nature avant la production en masse prévue pour début octobre. Selon la cellule de communication de la CENI, Patricia Seya s'est montrée rassurée par la qualité et le modèle de la nouvelle carte d'électeur qui sera délivrée d'ici décembre sur place. Elle a visité les installations où se fera l'assemblage de kits qui serviront d'enrôlement des électeurs d'impression de cartes d'électeurs et servir d'impression des cartes et connexes et a également apprécié les usines Miro. À la présidence, signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est à Kinshasa, le représentant de pays membres de cette communauté était reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine, lieu où s'est déroulée cette activité. À vous ces commentaires. En séjour à Kinshasa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État, représentant de ses homologues de la CAE, qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Précision fournie par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Nous avons donc ouvert la voie à cette force, à son déploiement dans les jours à venir. C'est un acte historique qui traduit la détermination de la communauté de s'impliquer dans les différends qui opposent ou qui peuvent opposer les membres, qui exprime aussi la détermination des leaders de la communauté de ne plus jamais laisser les forces négatives, les groupes armés, perturber la quiétude de nos populations et perturber la stabilité des institutions. Le secrétaire général de la communauté, Dr Peter Matouk, a réitéré la volonté politique des chefs d'État de la CAE pour la restauration de la paix durable et la stabilité dans l'est de la RDC. The people of DRC need peace. Le peuple de la RDC a besoin de la paix. Et c'est la raison pour laquelle tous les pays se sont mis d'accord pour monter cette force, de telle sorte que le peuple de la RDC va vivre en paix. L'autre point important, c'est que tous les pays ont démontré leur volonté politique de se mettre ensemble et se rassurer qu'il y a la paix à l'est de la RDC et dans la région. Ouvert le mercredi, les travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 9 septembre. La CAE s'assigne comme objectif notamment de promouvoir l'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique de l'Est. Restons dans le même chapitre, Malta Forest totalise 100 ans en République démocratique du Congo. Le patron de cette entreprise a été décoré mercredi dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Georges Arthur Forest a été élevé au rang des grands cordons dans l'ordre de Kabila Lumumba en tant que modèle d'investisseur, entrepreneur et acteur social majeur du développement. Suivez. Cent ans de pleine activité et de présence ininterrompue en République démocratique du Congo, il faut le faire. L'entreprise générale Malta Forest, la plus ancienne des entreprises privées congolaises, créée en 1922 en pleine colonisation du Congo belge, a su conserver son nom et sa structure familiale. Invité à cette journée de célébration du centenaire de l'entreprise au Salon Congo de Pullman Hotel, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu saluer les efforts de cette firme qui s'est imposée aujourd'hui comme partenaire de taille
de la République démocratique du Congo avec un personnel actif de plus de 2000 agents, dont plus de 98% des Congolais. Et comme pour le Congo, ceux qui les ont pas tués les a rendus plus forts. Qui, en 1922, aurait pensé que Kinshasa deviendrait une si grande ville? Qui aurait pensé que GMF deviendrait une si grande entreprise? Notre succès, le succès du groupe Forest, c'est aussi celui du Congo. Deux temps forts ont marqué cette célébration. D'abord, le baptême de l'ouvrage « Un siècle de rêve, ensemble construisons l'avenir », écrit par Georges Arthur Forest, président du groupe Forest International. L'ouvrage d'une centaine de pages qui fait la compilation historique de ce géant industriel depuis 1922 à ce jour a été porté sur le fonds baptismal devant le chef de l'État par le professeur historien Isidore Ndayuel. Et juste après, le président de la République, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, a décoré le patriarche Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. Il est désormais admis au grade de grand cordon en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et servi de modèle des investisseurs privés en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, fini les engorgements dans des stations-service. L'annonce du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou au sorti d'une réunion des crises ténues ce vendredi avec le responsable de la société de logistique pétrolière et l'Erexcom ce vendredi, déjà 1300 mètres cubes d'essence par jour dès demain. Prisca Siloulou pour le détail. Cette situation de rareté ne s'observe pas seulement en RDC, Paris capitale française est aussi dans le pétrin. Nous sommes en France, nous avons fait la file, vous voyez la file? La file même de l'autre côté devant moi, vous voyez? Nous traînons encore. On vient de faire plus de 40 minutes, il n'y a pas du carburant. Alors il ne faudra pas dire que la situation du carburant ne se trouve qu'en République démocratique du Congo, se fond. Je tiens et j'insiste que là je suis en France, il y a un problème de carburant. Vous voyez, nous sommes à la station. Vous voyez, nous sommes à la station, il y a du monde qui attend du carburant. Là, c'est devant, derrière moi et devant moi, vous allez constater qu'il y a des véhicules qui jusque là qui attendent le carburant. À Brazzaville, capitale du Congo voisin, le calvaire est pareil à celle de Kinshasa. Je viens pratiquement une semaine à la station. Pour avoir le carburant, c'est tout un combat. Le 25 litres, avant, on achète à 15 000 francs, mais c'est maintenant à 18 000 francs et 20 000 francs. Et pour en avoir, c'est un combat. Tel que moi maintenant, là, je viens de faire une semaine pratiquement à la station. Je ne sais pas quoi faire. Et malgré tout ça, je n'ai pas encore eu le carburant. Didier Boudimbou a été trop réactif face à la bombe sociale qui s'est dessinée à cause de la rareté de carburant. Le ministre des Hydrocarbures a instruit au cours d'une réunion les responsables des sociétés logistiques pétrolières et l'Erexcom de ravitailler le station-service en carburant. L'objectif de cette réunion de crise était de parvenir à augmenter la distribution de ces derniers automobiles à la pompe. Kinshasa espère, à l'issue de cette réunion tenue par le ministre sectoriel, échange entre le ministre national de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bunkuluzola, avec tout le ministre provincial de la Jeunesse, faire l'état des lieux de chaque province afin de dégager leurs préoccupations, était au centre de cette rencontre. C'est la cellule de communication de la Jeunesse. Au cours de cet échange de haute facture, Yves Bunkulu, ministre national de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, a donné une aperçue globale sur le plan d'action nationale qui comporte cinq axes majeurs dévoués à ces secteurs dont à savoir la réconciliation et cohésion nationale, la formation, la promotion entrepreneuriale, la question liée à l'infrastructure de jeunes et au partenariat.
Une occasion pour le patron de la jeunesse d'interpeller ses interlocuteurs, ministres provinciaux de 26 provinces, de faire de recherches sur tout le site pollué de la jeunesse, les récupérer afin de mettre en place un programme uniforme de formation. Réhabiliter ces centres de formation dans toute la province. Régler le conflit existant dans la province pour amener la paix dans nos provinces. Ces échanges ont permis aux ministres provinciaux de comprendre la vision du patron de la jeunesse congolaise, l'importance qu'il accorde à la jeunesse en général de par sa vision politique qui voudrait apporter un changement nouveau. Mission lui est confiée par le président de la République, Félix. C'était là un commentaire de Prisca Siloulou, encore une fois. Changeant de chapitre, dans les tout prochains jours, il va se tenir en Ituri un dialogue intracommunautaire EMA. L'objectif est de convaincre certains détenteurs illégaux d'armes regroupés au sein d'un mouvement d'autodéfense constitué par les communautés victimes des atrocités d'adhérer également au processus de paix déjà amorcé par l'administration militaire. Suivez le commentaire de la presse militaire de l'Ituri. Dans une atmosphère feutrée, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny, a échangé ce mercredi avec le présidium de l'association Kiltirel NT, regroupant les membres de la communauté EMA en toile de fond, la paix, la sécurité ainsi que l'organisation dans les prochains jours du dialogue intracommunautaire EMA, dont l'objectif est de sensibiliser et persuader les détenteurs illégaux d'armes regroupées au sein d'un mouvement d'autodéfense dans les communautés victimes des atrocités à Djougou, Maagi et Irumu. Au sorti de cette rencontre, le docteur Lonema Vajiru, président de la dite association, appelle les communautés ituriennes à travailler en synergie pour convaincre leurs fils, Zefi et Gary, à déposer les armes. C'est qu'il y a un groupe qui se réclame d'autodéfense. Et ce groupe est identifié dans la zone minière. Et ce groupe a son sein des éléments armés qui défendent leurs entités ou leurs villages ou leurs cités. Et ces éléments ne sont pas uniquement des EMA. Ils sont aussi Alou, ils sont aussi également Nyali, Mambisa et Ndo Okebo. Qu'on les laisse tranquilles creuser leur or. Mais par rapport aux armes qu'ils détiennent, ils reconnaissent que c'est illégal. Mais ils en ont parce que les autres les menacent. Ils se protègent avec. Alors ils sont prêts, c'est ce qu'ils nous ont dit, ils sont prêts si l'État, si la FARDC leur garantit la sécurité, de collaborer avec la FARDC et de remettre les armes. Par la même occasion, le docteur Lonema Vajiru appelle le peuple ituriens à l'unité pour le développement de cette province riche en potentialité. Une recommandation du chef de l'administration militaire de l'Ituri. Chez l'EMA, nous disons non au recrutement. Nous ne voulons pas de la guerre. On ne veut pas accorder de la guerre. Les gens qui ont pris les armes à main doivent se préparer à rencontrer la FARDC pour remettre les armes. Pour arriver à la paix, suivant cette approche du dialogue prônée par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, en plus des opérations militaires sur le terrain, le gouverneur militaire exhorte les fils et filles de l'Ituri à bannir la communautarisation et la généralisation de faits individuels. Je vous garde en Ituri où l'administration militaire de cette province a dépêché une équipe à Nyanya dans la chefferie des Banduka en territoire de Mambasa pour remplacer les deux bornes détruites par les inciviques après la démarcation de la limite administrative entre l'Ituri et les Haut-Touélé. À vous ce reportage. Démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Touélé, deux bornes sur les six placées du côté de Nyanya par les experts de l'Institut géographique du Congo pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mambasa et de Wamba ont été détruites par les inciviques il y a quelques jours, déplore le député national Emmanuel Lekoua Poubou. Ce vendredi, cet élu du peuple et son collègue Daniel Bagnou ont échangé avec le gouverneur des provinces de l'Ituri à ce sujet. Pour moi, je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, parce que la limite est déjà connue sur ce point-là. Le temps ne va pas se fatiguer. On va refaire les travaux, encore une fois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'administrateur du territoire de Mambasa se trouverait à Nyanya
il attend son collègue de Wamba pour qu'on en discute maintenant en interne et qu'on remette la paix sociale entre les communautés. L'administration militaire de l'Ituri, qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers, a dépêché une équipe sur terrain en vue de réparer le dégât commis. Au député national Daniel Bagnaud-Debout de rappeler aux uns et aux autres que cette démarcation de limites ne constitue pas la séparation de deux peuples. C'est juste une limite administrative qui devrait être montrée afin que chaque peuple, chaque population sache qui est son chef de chefferie, qui est son administrateur du territoire, qui est son gouverneur. Ce n'est pas une limite pour venir chasser la population, non. La population est protégée par la Constitution dans l'article 30. Il dit « Tout Congolais est libre de s'installer là où il veut ». Ça doit rester en application. Pour rappel, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, soucié de voir le peuple ituriens vivre dans un climat de paix et d'harmonie, s'était personnellement impliqué pour la résolution de ces conflits en territoire d'Aru et de Mambasa. À l'issue d'une rencontre bilatérale tenue à Ariwara au mois de mai dernier, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni et son collègue du Haut-Touélé avaient sollicité l'expertise de l'Institut géographique du D'une province à une autre, je prenons cette information en bref, passage barré au niveau du pont Kouilou situé à l'entrée de la cité de Ngungu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom depuis ce vendredi 9 septembre 2022 suite à un embourbement provoqué par les eaux de pluie. Le pont Kouilou menace de se casser la descente vers le pont et puis la montée, le deux versants là, sont dans un état de délabrement très avancé à cause de cette grande pluie du 8 septembre 2022. Toujours en province, la République démocratique du Congo intensifie la formation des services de sécurité. La 2e bataillon de combat en jungle vient de terminer sa formation complémentaire sur les techniques de vie en forêt. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier à l'école de police à Kasangoulou, province du Congo central, en présence du chef d'état-major, le général des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestin Mbala Moussensé. Images et commentaires sous le lieutenant Zouzi Victor. Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kasangoulou au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussensé Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leur capacité professionnelle, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir, en infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce 2e bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des FARDC tels que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Intéressé par cette expérience liée au développement à Kimpessé, au centre de production agricole de Lovo, l'honorable Mike Mukeba s'y est rendu pour, dans l'objectif de trouver des solutions pour ses électeurs. Le chef du service national n'a pas manqué de mots, très ému de retrouver Mike Mukeba. Ce qui est important pour moi, c'est d'agir, de me battre pour mes électeurs. Si mon déplacement que j'ai effectué ici est dans le sens des intérêts de mes électeurs, je n'en rougirai pas si d'autres m'attaquent. J'ai l'habitude des attaques, mais le plus important pour moi, c'est la fin, c'est l'objectif. Si demain, s'il passe de 1000 à 5000 hectares, donc la totalité de la superficie exploitée, c'est pour le bien des Quinois. Qu'importe ceux qui vont railler, qu'importe.
je suis venu voir une expérience qui en réalité n'est pas une expérience politique. Elle est liée au développement. Elle n'a pas de coloration, elle n'est pas d'un parti politique. Le service national n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Le service national a commencé avec M. Laurent Désiré Kabila. Ne me parlez pas politique. L'honorable Mike Mkibaï s'est beaucoup intéressé ces derniers temps au service national. En tant qu'élu, il est à la recherche de solutions pour ses électeurs, pour la ville de Kinshasa. Alors il nous a approchés, il voulait comprendre comment nous fonctionnons, quel apport le service peut, si je peux me répéter ici, peut apporter à ses électeurs en termes de nourriture. C'est comme ça qu'il voulait. Je lui ai expliqué que nous étions en train de faire des champs, non loin de la ville de Kinshasa. Il ne croyait pas, parce que pour plusieurs personnes, ils pensent qu'il n'y a que Kanyamaka, c'est ce qui produit. Nous lui avons dit qu'à côté de Kinshasa, nous avons un centre. Il est venu évaluer, il est venu voir. Et à ce niveau, je crois qu'en tant qu'élu, peut-être il peut faire un plaidoyer pour qu'un jour, ensemble avec le gouvernement provincial, qu'on puisse lancer aussi un projet pareil. Changeons de chapitre à présent, début des travaux de réhabilitation de l'avenue Wangata dans la ville de Kinshasa. Cette route doit désengorger l'avenue de Willery à multiples embouteillages, va revêtir une nouvelle robe après exécution de ces travaux initiés par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka. Voici quelques réactions de la population au vu du déroulement de travaux. Marcelo Kanina. Tozana Wangata. Wangata, croisement, Tombalbaye. En face, il peut maman et mon terrain. C'est là où ils ont vraiment au béba. Pour ça, Banda Boulevard et Kendati, Stade des Martyrs. Les autres CPD, papa a mis au gouverneur, a une initiative à cohabiter Nzela Oyo. Et là, Nzela Oyo Sungara, et mon route secondaire Sungara, et mon Kasavubu, et Sungara, et mon Willery, parce que Mitu a capelé les Kara Awa, donc Mitu et les Kara proposent qu'au secondaire, boulevard ou Willery, et au secondaire Kasavubu. Donc je pense qu'avec l'initiative à gouverneur, nous saluons et salama, bah passager, n'a bateau, bah salé la Mitu, car je pense qu'on va utiliser en haut et qu'on aider Bissot encore pour la circulation et puis qu'on désengorger Willery en même temps qu'à Savoubo également. Je suis l'ingénieur Audrey Takizala, directeur technique de l'entreprise qui est en train de réhabiliter la boucle Wangata, Bissot et hôpital. Ça va permettre de pouvoir désengorger plusieurs avenues, à savoir l'avenue de la démocratie, ex-Willery, l'avenue Kasavubu, ainsi que le boulevard Wangata qui s'étend sur pratiquement 2618 mètres, donc du boulevard jusqu'au stade de Martyrs. Nous avons l'avenue aussi Hôpital qui va de Willery jusqu'à la morgue, donc ça va vraiment permettre que l'accès à la morgue puisse être beaucoup plus souple. Et puis nous avons aussi l'avenue Issoke qui va permettre aux gens de passer de Willery jusqu'à l'avenue Kasavubu. Bouclant ce journal avec cette triste nouvelle, elle a tiré sa révérence jeudi 8 septembre 2022. Elle, c'est Elie, madame, c'est la reine Elisabeth du Royaume-Uni et à l'âge de 96 ans. L'annonce a été faite par sa famille biologique dont son fils Charles est actuel roi et s'appellera désormais Charles III. Suivez ces commentaires de Marcelo Kanina. C'est une légende monarque la plus célèbre de la planète qui s'est éteinte. Elisabeth Alexandra Marie, dite Elisabeth II, est de la dynastie des maisons Windsor. Née le 11 avril 1926, à l'âge de 10 ans, est devenue héritière présomptive de la couronne selon l'ordre des successions. Avec son époux Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, décédé en 2021, elle aura 4 enfants dont l'aîné Charles la succède aujourd'hui au trône. Elle-même remplaça son père George VI à l'âge de 25 ans. Son couronnement fut le premier à être retransmis à la télévision le 2 juin 1953. Son pouvoir de souveraine de Grande-Bretagne s'étend sur 7 États indépendants du Commonwealth, dont l'Afrique du Sud, le Canada, l'Australie, le Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni, mais certains pays ont quitté son territoire et sont devenus indépendants
à l'instar de l'Afrique du Sud, le Pakistan et le Ceylan. En 2022, Elisabeth II étend également son pouvoir sur Antigua et Barbuda, Bahamas, Belize, Grenade, Jamaïque, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, les îles Salomon et sur Tuvalu. Elle est la souveraine britannique ayant régné le plus longtemps au cours de ses 70 ans et 7 mois de règne. 15 premiers ministres se sont succédés, entre autres Margaret Thatcher, dite la femme de fer, David Cameron et Boris Johnson. La reine Elisabeth II a su garder sa grande popularité au Royaume-Uni jusqu'à son dernier jour sur terre, jeudi 8 septembre 2022. Elle, qui est deuxième monarque de l'ère moderne et qui a su régner le plus longtemps possible après Louis XIV, roi de France. Vous étiez nombreux en train de nous suivre en ce moment. C'est la fin de cette grande édition du journal qui porte la signature de Junior Dinanga. Merci à l'équipe technique, à l'équipe rédactionnelle. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à Fred Abala. Au revoir.